La direction locale de campagne dans la sous-préfecture de Luango a effectué jeudi 18 mars sa dernière tournée de consignes de vote. D'abord à l'école primaire de Luango où le directeur local de campagne Roland Boutiviodo et son adjoint Nazer Tiyoko étaient accompagnés du directeur local de campagne de Mvomvo 1, Jean-Marc Tister Tikaya. Ensuite, cette délégation locale de campagne constituée du MAR, du PCT, du RDPS, du MCDD et du Club 2002 Pur a mis le cap sur Nkungu, où la consigne a été la même, renouveler la confiance à Denis Sassou Nguesso, candidat de la majorité présidentielle. Enfin, le point de chute de cette dernière tournée de campagne dans la sous-préfecture de Luango a été la localité de Diosso, précisément à l'école primaire, où les populations de cette localité ont pris l'engagement de voter Denis Sassou Nguesso le 21 mars 2021. Nous allons clôturer notre campagne dans ce village mythique de Diosso. Vous avez tous pris l'engagement de voter pour papa Denis Sassou Nguesso dimanche prochain. Et vous avez dit qu'à 14h ce sera un coup. Donc, chers amis, si nous voulons que les projets énoncés par le candidat Denis Sassou Nguesso, notre papa, notre Bokilo, notre champion, notre président, se réalisent, donnons-lui le maximum de voix, parce que, à l'ouverture de la campagne, il est venu ici, à Lubu, dans le district de Luango, lancer la campagne dans le Puinou. Et il nous a dit que cette fois-ci, l'aile ou l'aile, cette fois-ci, les projets tels que celui de la construction du barrage de Sunda, le projet de construction de la route dite la boucle du Kwilu seront lancés. De même, il nous a dit que pendant ce mandat-ci, l'hôpital de Lubu, qui est déjà en chantier, sera terminé. Signalons que cette dernière tournée de campagne s'est achevée dans une grande ferveur populaire dans la sous-préfecture de Luango.